Thank you, Ilona, for your presentation. And we now welcome on stage our third competitor, Noémie, from the École Privée Notre-Dame-Saint-Sophie, with her project Franquin et l'automobile, imitateur au précurseur. Pour ses projets, elle a étudié l'évolution des voitures dans les bandes dessinées d'André Franquin et elle a mis en relation avec les événements économiques, sociaux, politiques et techniques de cette période. Let's hear it from Noémie. Bonjour à toutes et... On m'entend ? C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet donc, que j'ai fait au cours de cette année. Donc, je l'ai nommé Franquin et l'automobile. Donc, j'aime beaucoup la bande dessinée depuis que je suis petite et j'ai décidé donc, de faire un projet sur ce thème. Donc, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait de scientifique dans les bandes dessinées et j'ai vu que dans Franquin, il y avait beaucoup d'inventions, d'expériences scientifiques. Donc, j'ai décidé de garder ce sujet. Et donc, j'ai recensé toutes les inventions scientifiques et je les ai classées dans Franquin, donc Gaston Lagaffe et Spirou et Fantasio, surtout. Et donc, vraiment, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'automobiles. Donc, j'ai gardé le sujet Franquin et l'automobile parce que je trouvais ça intéressant d'étudier. Donc, j'ai supposé que Franquin était un imitateur, enfin, qu'il a imité les voitures de son temps, qu'il les dessinait. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs domaines, la politique, l'économie, l'histoire, avec un sujet artistique. Donc, j'ai fiché toutes les automobiles que je trouvais dans l'œuvre de Franquin et je les ai transformées en frises chronologiques. Donc, en gras et en italique, on a tout ce qui s'est passé dans la vie de Franquin, dans son œuvre. Et tout ce qui est en police normale, c'est ce qui s'est passé historiquement parlant. Donc, je les ai classés par couleur. Par exemple, en vert, on a les automobiles célèbres. Et donc, vraiment, chaque couleur est liée à un sujet. Donc, on peut voir qu'il y a deux phases qui se découpent. Donc, la première phase, elle est tout à gauche. Je l'ai nommée la phase de fascination. Donc, elle entre dans la période des 30 glorieuses, donc c'est-à-dire les 30 années après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une période riche de l'automobile où il va y avoir le développement de beaucoup d'autoroutes, le périphérique de Paris, le ring de Bruxelles. Donc, vraiment, c'est la politique du tout routier. Il y a eu le lancement de nombreuses automobiles célèbres comme la Citroën DS, la Porsche 911. Et c'est vraiment la période où Franquin, il va être passionné par les voitures, il va chercher à en dessiner le maximum possible. Donc, il va par exemple en dessiner dans Starter, qui était une rubrique automobile du journal de Spirou, ou dans ses bandes dessinées de Spirou et Fantasio, par exemple dans Spirou et les héritiers, où il va pouvoir dessiner une course de voiture pendant plusieurs pages. Donc, l'illustration vraiment la plus importante de cette période chez Franquin, c'est la turbotraction. Donc c'est une voiture, c'est un prototype de voiture qu'il a inventé dans Spirou et Fantasio. C'est un modèle très innovant pour l'époque. Il a une carrosserie en fibre de verre et c'est très rapide aussi. Ça va jusqu'à 250 km par heure. Et c'est un moteur en turbine comme dans les avions. Donc vraiment, cette voiture, elle est inspirée de l'époque parce que les gens pensaient que la turbine pouvait remplacer le moteur à explosion, même si finalement, ça n'a pas été gardé puisque finalement, pour une voiture, le rendement est plus important pour un moteur à explosion que pour une turbine à gaz. Donc après la première phase, on peut trouver un tournant dans l'histoire de Franquin. J'ai nommé cette deuxième phase la désillusion. Et elle arrive à peu près au moment du rapport Meadows. Donc c'est le premier rapport qui a dénoncé l'impact humain sur le climat en 1972 et le premier crash pétrolier en 1973. Donc Franquin, il va commencer à se poser des questions environnementales au travers de l'œil de Gaston Lagaffe. Il va chercher à les résoudre. Donc il va inventer par exemple deux filtres à particules pour pouvoir réduire la pollution, même si ça ne va pas marcher à cause de la touche humoristique, puisque Gaston Lagaffe est à la base une bande dessinée comique. Il aura quand même 10 ans d'avance sur les premiers filtres à particules Mercedes ou Peugeot. Il va aussi être un vrai précurseur sur le moteur hybride, puisqu'il va inventer un moteur à hélice qui va ensuite convertir l'énergie éolienne en énergie électrique, qui aura encore là 15 ans d'avance sur le premier modèle hybride qui était la Toyota Prius. Il va aussi travailler sur des carburants alternatifs, il a travaillé sur le gazogène ou des carburants plus originaux, comme un moteur qui recyclerait les papiers administratifs.
Donc, en conclusion, j'ai pu vérifier mon hypothèse, mais aussi l'approfondir, puisque Franquin n'a pas seulement imité les voitures de son temps, il a été un précurseur dans de nombreux domaines automobiles, notamment dans l'environnement, le développement durable automobile, grâce à son filtre à particules ou son moteur hybride. Merci de m'avoir écouté. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le canapé. Comment ça s'est passé sur scène ? Avant de faire la présentation, j'étais un peu stressée, mais après, quand j'ai commencé à parler, c'est passé. Ça va. Et maintenant, tu te sens relax un petit peu ? Oui. Très bien. Alors, ce n'est pas la première fois que tu es ici. J'ai vu la vidéo que tu as fait l'année dernière. Et ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que tu as dit que, en fait, les sciences, ce n'est pas vraiment ta passion. Pour toi, c'est plutôt la compétition qui te passionne. Est-ce que c'est toujours le cas ? Avant, la première fois que j'avais fait le concours, ce n'était pas forcément ce que j'adorais, mais maintenant, j'aime bien. Ouais. Et pourtant, ton projet est quand même scientifique. Dans quel sens est-ce qu'il est scientifique à ton avis ? Par rapport à celui de l'année dernière ou celui de cette année ? Cette année, oui. Il y a les sciences environnementales, les sciences humaines et sociales. Voilà. Très bien. Et j'ai entendu aussi que tu es une des plus jeunes. Est-ce que c'était dur pour toi, ce projet ? Ou est-ce que maintenant, vu que tu l'avais déjà fait l'année dernière, maintenant tu es habituée ? Est-ce que ça commence à être plus facile ou c'est encore dur ? Honnêtement, ça allait. Faut quand même bien travailler, mais enfin, ça va sinon. C'est... Très bien. Et est-ce que tu as alors une passion pour les voitures ou est-ce que c'est les bandes dessinées ? Qu'est-ce qui t'a motivée dans le projet ? C'est plus les bandes dessinées, oui. J'aime bien les voitures, mais je ne suis pas forcément passionnée par ça. Et c'est quelle ta bande dessinée préférée ? Alors, j'aime beaucoup, Spirou et Fantasio, Gaston Lagaffe, tout ça. Après, j'aime bien aussi les bandes dessinées un peu de mystère, policier, tout ça. Cool. Alors, félicitations encore pour ta présence dans le top 10, parce que vraiment là tu es la plus jeune, t'as seulement 13 ans, hein, c'est bien ça, donc tu joues dans la cour des grands et on a hâte de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Alors une question sur le projet de cette année, c'était quoi le plus difficile en fait dans le projet lui-même ? Ce qui était vraiment long, c'était de recenser toutes les planches où il y avait des automobiles, ouais, dedans, ensuite les classer dans une frise chronologique. T'as utilisé des outils pour ça ou... J'ai fait un tableau Excel que j'ai transformé, ouais, en graphique après. D'accord. Mais je veux dire, c'était à l'œil, quoi. T'as pas utilisé une intelligence artificielle pour opérer des choses ou quoi. D'accord. Et donc, ce travail-là, c'est la première fois, a priori, que quelqu'un le fait. Oui, parce que j'avais recherché avant, voir s'il n'y avait pas d'autres gens qui avaient fait quelque chose du genre, mais non, je crois. Ça, c'est fabuleux, parce que je suis sûr que tous les fans de Franquin seraient ravis de lire tes travaux, donc il faudra songer à une publication. Je ne sais pas si tu y songes déjà, peut-être. Ça pourrait être une possibilité. Alors, donc, réussir à lister tout ça, cette somme de données, ça, c'était le plus difficile. Est-ce que tu as inclus le dernier album de Gaston Lagaffe, celui qui a fait tellement de polémiques ? Alors non, je ne l'ai pas inclus parce que vraiment, mes recherches, elles étaient sur les bandes dessinées de Franquin. Enfin, vraiment, parce que, par exemple, il y a d'autres Spirou et Fantasio qui ont été publiés après, mais je ne les ai même pas inclus dedans. Ah ouais, d'accord. D'accord. Donc, il y a encore de la matière là, à sonder. Alors, une dernière question. Tu sais qu'ici, à Luxembourg, le héros national, c'est Superjump. Et il y a beaucoup de science aussi à l'intérieur. Bon, il n'utilise pas des voitures, il vole plutôt. Est-ce que tu envisages éventuellement de l'étudier ? J'y avais pas songé, mais ça peut être une bonne option, hein. C'est intéressant. Super. Écoute, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci.